C'est quoi que tu fais, Doug? Là, je t'apprends à faire la plus belle aileron de l'histoire des ailerons. Man, ça, hey man, il y a des chimes pour que ça tienne. Je fais des trous inutiles. C'est d'un plaisir fou de percer un char à grandeur pour rien. Hier, on a brûlé les sièges. Qui dans la vie a la chance de brûler des sièges avec une cigarette pour rien? Qu'est-ce que tu fais, Chuck? J'ai eu l'ardue tâche de découper leur Doug et Jeff. Ça va être vraiment mal fait, je te dis. La mourouillée. C'était une seule qui se tient peur. Grosse job. Je peux te construire une maison de mes deux mains. Je vais te couper des petits collants de même, là. Et, tu vois, on le dira pas, là, mais je viens de couper la bulle du jet. Mais si je la prends, puis je la mets de même. Tu te fais du fun? Débile. Hein? Je suis trop fort. Mais si, man, moi, là, on va tourner des deux bords, là, pour qu'on ait l'air d'avoir essayé de faire de quoi de propre, qui ne sert à rien. Man! Vous avec une saloon! Oh. Ouais! Parle-moi, Dave! C'est Sonia. Nous autres, on s'en fout des dépenses, man. On achète des tablettes, là, pis regarde. Hey, y'a rien, c'est celle-là. J'ai du tape aussi, là. Ça ressemble au mien. Ça, c'est avec ça, on peut arranger le tuning de toutes les HP, man. L'entrée d'air, les... Quoi? Le GPS, la télé. Tabarnak, man. Moi, le monde qui nous prenne pas au sérieux, là. Regarde, il... C'est le cactus, là. Je sais pas, c'est le blanc. Juste normal. Le fuck vient de tomber. Au propre, là. Fait que... T'as-tu trouvé avec ça? Je sais pas, man. C'est trop propre. C'est trop d'argent propre. Faut qu'il soit sale! Avec le mouvement de bras que tu forces, mon gars, c'est encore plus laid. Fait un gros meet de race car, puis c'est Jeff puis Doug les leaders du crew là, fait que nous on les suit jusqu'à la mort, man. 2, 3, 4, 8. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, les gars? Qu'est-ce qui se passe? On vient foutre le feu. C'est-il le bordel dans le char de l'anarchie ou pas que Livs, motherfucker? On arrive pour casser ça. Les choses se passent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Paquette? On fait de la magie! Je sais comment ça marche, man. Yo, Chris, elle en rouvre plus à cause de elle. C'est bon. Yo, c'est pas grave, man. Dans notre chance. Yo, je fais que c'est fantastique. Tu sais, on a essayé de faire des portes lambeaux. Puis en fait, c'est que ce qui arrive, c'est juste la finition, mais tout va bien, gros, man. Check ça. Check bien. Tu peux t'asseoir, bro? Après ça, il s'agit juste comme ta lèvre. Bastique que je parle dans mon char désuet. Hey! Ah! Il fait des... Oh shit! On est en train de faire le tournage de mon char. On a un esti de beau meet site avec du monde qui ont des esti de chars légendaires. Il y a du monde qui ont mis du budget en tabarnak. Premièrement, on va vous présenter notre char pour ce tournage-là de Mongol. Blé! Brap! Duramax 3.0 hybride turbo 8000$. Tyrap 2 HP par Tyrap. Quand tu tournes trop, ça vole. On a mis de la peinture sur la rouille parce que la rouille commençait à prendre sur la rouille. Pis si t'as peur de tomber, tiens-toi, man. Slap that ass. Pis quand t'es deux, ben tu le fais à l'autre. Ça, c'est du bois d'arbre. C'est chimé en professionnel.
C'est drette, c'est un esti de temps. Le gars qui chimait, je pense qu'il avait les yeux comme ça, man. Mais il sait ce qu'il fait, man, il est habitué. Ça a l'air de rien. Quand on vole, suis ce que je te dis. Quand on vole, tu sais, tantôt on volait, ça te garde droit. Regarde, tu vois-tu? Ça te permet de garder le. Chris, suis, man, c'est de l'ingénierie. Il y en a qui ont des toits ouvrants, sti. Fuck that. Nous autres, on a le plancher ouvrant. Garde, si jamais tu filmes mon plancher, je peux t'envoyer chier dans le tour, man. T'as-tu déjà vu ça? Pour l'ouvrir, faut que tu pousses. Va ailleurs, fuck that. On va te faire découvrir l'intérieur de notre char. T'es-tu prête? Oh shit. Il est dans le char. Yo, ça c'est quand qu'on va trop vite, man. Yo, rentre dans le char. Des brûleurs de cigarettes. On fume même pas. Salope. Yo, je sais comment ça marche, man. Chris, elle arrive plus à cause de elle. Les bottes. Yo, c'est pas grave, man. Rentre dans le char, rentre dans le char. Yo, je fais tout le temps ça, man. On le part. On vole! Yo, man, on vous présente le team. Yo, c'est quoi ton nom? Pat, man. On va l'appeler Robert. Fuck ton char, man. Check ça, comment est-ce qu'il est solide. Yo, des bancs décapotables, man. Mets ça dehors, man. Yo, viens ici, tu vas capoter, man. Parce que là, tu l'as vu rentrer là, mais regarde ce qu'il est. Bow! Tu fais des skirts. Skirt? Tu vois, il est là, man. C'est lui. Toi, tu penses que c'est quoi, man? Les appuis-têtes? Bullshit! Deux à la fois, man! Pow, pow! Yo, on va regarder l'autre char! Comment tu t'appelles, girl? Miranda. Elle va s'appeler Stacy, c'est plus sexe! Pis quand je pars en camping, des fois t'as besoin d'un spot de lumière, t'es checké, pis là. Tu vois? Pis 360! Tu peux t'asseoir, ça rentre parfait! Quand t'as envie de pipi, tu sais où le faire? Et pis elle, en plus, elle a un hood automatique. Quand tu le lâches, il descend. Ah non, quoi. Yo, le c'est pas yo, je te dis qu'il doit descendre. Tu vois, il descend en 2-3 tapes. Tu sais, c'est un char un peu hippie. Fait que c'est sûr que vous dormez tout nu là-dedans, là. Ah oui. C'est légendaire. Il y a une tache ici, pis c'est pas du cappuccino glacé, hein. Yo, vous pensez que c'est fini, ça fait juste commencer. Yo, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Josh, man. Lui, il est fucking dangereux, fait que c'est Josh, ok? Pas t'en niaiser, ici. C'est Rita Larouillée, man. Rita Larouillée? Elle pleure de la rouille, même. Ok, c'est bien ça. Yo, checker ça. Fourette. Yeah! Ça m'a pris 20 minutes à prendre ça. C'est... T'auras pas ça sur ta poubelle à 35 000 sortie du dealer, yo! Bon. Pis si jamais y'en a qui aimeraient ça se taper son booty, il est libre. Josh, es-tu libre? Seulement les mardis soirs. Yo, y'a un feature que personne... Je sais, yo, Josh, je sais que tu veux pas... Non, je sais, tu veux pas, mais mets ton manteau, man. Non, shit. J'ai le goût de faire de l'argent à genoux sur un coin de rue maintenant. On continue avec un autre char légendaire. Yo, c'est quoi ton nom? Moi, c'est MC, t'es une pute, tu suces plus du crossien. Voilà, toi, c'est quoi ton nom? Godzilla, a.k.a. l'enfant du ciel. C'est quoi ça? Ça, c'est un siffleur, man. Il y avait juste à pas être là. Là, je sais, là, c'est fucking hype. Il est comme sur un esti trip, là. Il a comme bu l'huile de son char. Mais son manteau, il est fait avec le siffleur qu'il a écrasé tantôt, là. Tu veux des légendes? On a juste ça, des tabarnaks de légendes ici. Si, c'est le membre numéro 6. Parce qu'on en a quand même pas beaucoup, mais c'est lui. Yo, c'est quoi ton nom? Yo, Billy, a.k.a. le petit savant. Billy Bob, le zigneur rapide. Non, clairement, c'est là que ça va, man. Tu penses? Ouais, ça va là, man. Ok, ben, je sais pas c'est quoi le problème, c'est peut-être trop de batterie. On a pas le budget pour les trous de gun, mais ça, c'est des trous de gun à plomb. Mais ça marche pareil. Check sa prostate, man. Moi, j'irai à checker pour vrai. Tu prends? Ouais, il tousse pas, man, tout est beau. Il reste deux membres à vous présenter, puis c'est pas les nôtres. Je suis con, man, c'est incroyable. Regarde qu'est-ce qu'il porte. Il a le droit de faire sa drag queen quand il veut, riez pas de ça, man. Montre-nous tes tie wrap, bro. On le dira pas, mais il est percé des épaules, fait que ça, c'est attaché direct après, ça s'en va nulle part. Il y a un trou d'aération? Quand tu roules vite, ça t'aère les balles. Ça, ici, c'est pour botcher. Yeah, je vais te le montrer, man. Ouais, là, il est là, là. Regarde le mouvement. Yo, je roule, puis je botche. Tu vois? Tout est parfait dans ce char-là, man. Le gars, il crisse du noce aux framboises direct dedans, man. Brrr! Illegal shit. Dernier char et non le moindre. On s'en va voir ça ici. Check ça, mon chum. Yo, bro, c'est quoi ton nom? William Kemasto. Lui, tu l'appelles monsieur. Pourquoi? Parce que s'il t'attrape, t'es mort. Il court peut-être pas vite, mais s'il s'assoit sur toi, t'es mort! Yo, je sais que vous êtes pas prête, là. Je t'ai énervé, man. Tu sais, quand ta wife est trop lourde dans le char, ouais. Tu as un petit coup de pied ici comme ça, t'es. Pow! Plus léger. Plus léger, man. Il est parfait, ce shaft. Yo, la dernière fois que notre chum Victor a parti le char, il est parti en fumée, fait que yo, man, peace Victor. Yo, c'est pas le tonnerre, c'est son char! Si j'avais ça chez nous, mes parents, ils tripperaient pas en tabarnak. Yo, fait que viens pas jouer au fréquent avec toutes tes affaires, tes chars pis tes cochonneries, man. Si jamais tu veux faire partie du crew, ben yo, attends qu'on t'appelle, man. Le char, il avance. C'est ça, je veux dire, il s'en va tout seul. On va en prendre d'autres. Ouais, on va en prendre d'autres. Vas-y.
C'est vraiment beau. Ouais, tu chill dessus, t'es sur le départ? Ouais, moi j'ai sur mon départ. Ben oui. J'ai encore fait à l'envers parce que moi je l'aime de même mon haut. Non, c'est sûr que ça prend une bonne chimie, là. Tout le monde avait de quoi apporter. C'est ben vraiment, la gang est incroyable. Nice, je fais ça. Et voilà. B. 12. Bingo! Là, on le sait qu'il y a juste un P, là, pis que c'est une faute. Le Raper poche. Le Raper poche. T'as-tu goût à faire aujourd'hui? Ben, j'ai fait ça longtemps, Chris. C'est pour ça que j'ai écrit bien aujourd'hui. Yo, man, c'est humide en tabarnak dans mon pied en ce moment. Moi, je l'ai senti à travers tes... J'étais en jogging depuis longtemps. À travers tes jogging. C'est Chris, il est excité parce qu'il est lubrifié. Ben, c'est ça, je fais du cul souvent comme ça. Comme une fille. C'est bien, man. Je sais. Tu me fais avoir l'impression de mal écrire. Hey, yes. Ah ouais, c'est chacun ouais. Ça. Tout le monde le sache. Même quand je travaille à côté. Ouais. Quand t'es en télétravail, il est comme là, c'est parce que je t'en appelle puis je t'entends chier. Je t'entends des. Puis lui, pour pas qu'on l'entende chier, il parle par-dessus. Il va dire ouais, fait que c'est ça. Puis, ouais, let's go. C'est la dame, hein. C'est bon. Là, tu veux que je le fasse? Non, 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 c'est en envers. Mais je l'aime de même, moi. Ben, fais-le de même. T'as le droit d'être en envers. Envers. Ma femme, mesdames et messieurs. Malade. On a rien, là, mais là, t'as vois pas, mais elle est là. Elle veut pas être dans la caméra, mais merci d'être là, on t'aime. Tu veux nous ramener? Ouais. Ben non, mais je veux dire, pour signer mon date, comme lui a dit, ça n'est pas une bonne idée. Ah, ben oui, 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 pas ça. Au moins, on voit pas où t'as tes doigts, ça photo. Non, c'est juste là-bas. Oh, ouais. Tu mets de la peinture à flic, là? Ouais. À clic, là? Il fait les haies de façon incroyable. Sept chars, il est rodé, man. Sept chars, il est rodé. C'est la life. C'est la life. Tu vois, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas habitué de signer. Fait que là, on sait pas encore comment signer des affaires. Moi, on est tout à l'envers, je sais pas. On fait comme ça. La première fois que j'ai signé quelque chose, là, quelques mois, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai signé comme quand je signe mon carnet de chèque, comme un esti sans dessin. Ma vraie signature, j'étais comme, ouais, c'est pas fort, ça. Fait que c'est ça. On apprend. On apprend. Merci. Regarde les portes lambeaux. J'ai de la misère avec ça, man. Long de même, t'as pas le choix d'être deux, c'est un esti de chape ça là. Eh oui. Ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est juste se battre. Yo, c'est à moi. Non, ça... tu l'as fait la dernière fois.